Héritier Wada, l'homme du moment, le musicien historique, le musicien de la décennie, tu nous as épatés avec ton spectacle. Héritier Watanabe nous a donné les sons, nous a donné la voix, il nous a donné les images, l'éclairage, les meilleurs podiums de la décennie. Héritier Watanabe, merci encore pour avoir valorisé la musique congolaise. Les gens qui critiquent Héritier Wata aujourd'hui, je vais venir avec des réponses. Puisque les gens ne comprennent pas la situation dont Héritier Watanabe a traversé. Il a traversé des situations tellement difficiles. N'oubliez pas que Fally Ipupa, il a vraiment pété, il a chié sur les stades des martyrs. Il a fait tuer plus de 20 personnes. À peine 2 mois, c'est Héritier Watanabe qui doit relever les défis. Les gens que vous voyez ici aujourd'hui, les gens que vous connaissez, toute la population de Kin, ils ont peur de mourir aujourd'hui. Ils ont une mauvaise image du stade des martyrs. Mais il y a un jeune congolais, un jeune artiste pétri du talent qui veut montrer, qui veut donner une autre image de la musique congolaise au stade des martyrs. Il veut montrer aux gens qu'on n'a pas besoin de mourir pour faire de la bonne musique. Après tout, d'après tout, c'est de la musique. Ce n'est pas une compétition de tuer, de tuerie. Héritier Watanabe est venu donner de la musique, nous montrer la qualité artistique qu'il a. Vous allez voir ces musiciens, ces chanteurs, l'harmonie qu'ils avaient au podium, la façon ils se sont habillés, la façon de chanter, la façon de danser, les spectacles en général, c'était vraiment au zénith. Quand vous critiquez Fally Ipupa, vous dites que Fally est bon. Vous voulez détruire les images de Héritier Watanabe. Qu'est-ce que Fally nous a donné au stade des martyrs? Qu'est-ce que Fally nous a apporté? Il a tellement crié que moi je vais faire ceci, je vais faire cela. Mais on a rien vu de bon dans les concerts de Fally Ipupa. Il n'y avait pas de spectacle, il n'y avait pas de chant, il n'y avait pas d'image, il n'y avait pas de son. Mais tellement que les Congolais est bourrique. C'est de tels spectacles que vous criez, soi-disant que c'est le meilleur spectacle. Pendant qu'il n'y avait pas de spectacle, il n'y avait pas de chants, Fally lui-même n'était pas capable de produire les chansons de son propre album. Fally a été incapable de reproduire les chansons de son album. Mais Héritier Watanabe, on a vu, sans autotune, sans des mixeurs qui pourront aider sa voix. On a écouté sa voix dans les bruits du stade des martyrs. On a écouté sa voix, sa voix originale. On a écouté les sons, les voix de ces musiciens, de ces artistes, de ces chanteurs. Ils ont vraiment... En tout cas, Héritier Watanabe, c'est un musicien qui a son orchestre vraiment digne d'être appelé orchestre. Fally, qu'est-ce qu'il a fait au stade des martyrs? Ces musiciens même n'ont pas été capable à chanter. Nazongana aussi. Kakabino o ba bavie ya wenge ba soutena qui fait héritier mais batubaton dit. Vous pensez que les gens vous le jour de Noël et après avoir détruit l'image des stades des martyrs par Fally Ipupa. Vous pensez que avoir plus de 60 000 personnes que Héritier Watanabe a fait entrer au stade, c'est facile. Vous n'êtes pas des musiciens, vous êtes seulement des petits blogueurs, des petits moukala de Fally. Vous dites de n'importe quoi pour chercher des vies. Et mais c'est comme je sais pas Frank Soki Chimbuya, je sais pas comment l'appelle, Thierry Mumbuya, Soki Mumbunda, un petit con. Il vit au départ de Fally, il vit au départ de la destruction de tous les musiciens, sauf c'est Fally ou rien pour lui. Avant les concerts de Héritier Watanabe, vous n'avez rien fait pour la publicité, vous n'avez rien fait pour la promotion.
Mais vous êtes les premiers à venir critiquer les concerts de quelqu'un. Ken Piana, de Vincent, tout ça, vous avez, c'était silence absolu. Il n'y a personne qui a soutenu Eric Watanabe. Mais vous êtes les premiers à critiquer les concerts d'Eric Watanabe. Le monde à l'envers. Ce n'est pas possible. Et puis de telles personnes, ils espèrent à un futur luxueux. De telles personnes espèrent à un avenir un avenir meilleur. Vous êtes des petits maudits. Puisque vous détruisez la culture congolaise. Vous détruisez la culture congolaise. Fally n'est pas édié. Il n'a rien fait de bon. Vous, si vous regardez le podium de Fally, Poupa, le podium de Fally était. Ça s'agitait. Ce n'était même pas stable. Mais c'est lui qui vous dit que. Ah, Congo. Héritier. Avec deux albums seulement. Avec deux albums. C'est déjà un an, plus d'un an, qu'il n'a presque deux ans aujourd'hui, il n'a aucun album. Sans album, mais il a joué au stade des martyrs. Fally, que vous êtes en train de dire Fally, Fally, Fally. Il a combien d'albums? Oh, cette année, il a fait combien d'albums? Il a fait album avec combien de chansons? Pour avoir seulement 80 000 personnes. Mais un monsieur qui n'a pas d'album pendant deux ans, qui fait 60 000 personnes au stade des martyrs. Et puis vous voulez faire la comparaison. C'est quelle statistique que vous aviez fait dans votre vie? Ça montre combien de fois vous êtes des illettrés. Vous êtes des délinquants. Vous êtes là pour chercher seulement à détruire la culture congolaise. Moi je dirais bravo à Eric Watanabe. L'homme qui a su vraiment défendre son nom, sa valeur, sa musique, son art. Malgré vos détractions, il a su percer et il a fait ce qu'il a pu faire. Il a chanté, il a dansé, il nous a donné les images de qualité, il nous a donné les sons impeccables. C'est lui qui a défini la musique, au vrai sens du mot, au stade des martyrs. Mais tellement que tout le monde est jaloux, tout le monde ne veut pas la vérité, tout le monde est contre le développement de la culture congolaise. Les youtubeurs sont là pour détruire l'art. Mais, gloire à Dieu, Eric Watanabe a fait un concert où il n'y a pas eu de morts. Il n'y a pas eu de vols. Il n'y a personne qui a volé de téléphones. Il n'y a pas eu de kuluna. Il n'y a pas eu de morts. Nous avons vu les ambulances partout. Nous avons vu la sécurité faire son travail comme il faut. Les tickets n'ont pas été distribués. Les gens qui sont entrés, ce sont les gens qui ont payé, les gens qui ont l'amour d'Eric Watanabe. Mais Fally, pour pas que vous dites Fally, avec 80 000 personnes, c'était un concert gratuit. Un concert gratuit. Eric Watanabe n'a pas fait un concert gratuit. Il a fait un concert payant. Les gens ont payé. Les gens qui ont payé les billets, ce sont les gens qui sont entrés. Faire 60 000 personnes au jour de Noël, ce n'est pas facile comparé à Fally Poupa qui a fait dans des journées normales et puis a fait 80 000 personnes gratuitement entrées. Je veux dire d'abord merci à l'entourage de Gogan. Les gens qui aussi, en tout cas, géré l'événement jusqu'à la fin. Je dis merci aux musiciens de Gogan. Ils se sont dépassés. Ils nous ont donné la vraie musique. S'il y a un chef d'orchestre là-bas, en tout cas, félicitations au travail que vous avez bâti. Francis Dibaya, merci à la communication. Autant suivi sur les réseaux sociaux chaque jour. Merci, c'est comme ça qu'on travaille pour votre artiste. Congo, nous devons apprendre à apprécier Evry Abatou. L'homme qui fait
un travail vraiment très bien fait. L'homme qui a très bien fait son travail, c'est lui qu'on veut détruire. Héritier, c'est le seul musicien que je connais à part Inosbi. C'est le seul musicien qui sait vivre à société. C'est le musicien qui sait vivre avec les gens. C'est le musicien qui sait partager. Tous ces chroniqueurs-là ont déjà mangé l'argent de Richard Tanabe. Mais tellement ils sont ingrats. Aujourd'hui, ce qu'ils ont fait pour Héritier, Dieu même, lui-même, il sait ce qu'il va faire à retour. Malgré votre détraction, Héritier a été au sommet de son art. Félicitations, Héritier. Je ne pourrais pas vraiment me taire. Je devrais faire ne fût-ce qu'une petite vidéo pour te dire, tu es vraiment mon Tonton Atembe. Tu as fait, tu as promis et tu as fait ce que tu devrais faire. Tu nous as donné la musique. Tu nous as donné la leçon de la musique, tu nous as donné la qualité de la musique, tu nous as donné les sons, tu es vraiment le professeur. Avec ta musique intelligente, tu nous as convaincus à 100%. Vive le Lati Mwata, vive Héritier Tanabe. Que la musique continue toujours à briller dans ton cœur. Que la musique toujours, que tu continues toujours à nous égayer avec les bons sons, avec des bons morceaux, comme Gombe na Gombe, comme Désolé, la chanson comme Tout en Noir, la chanson comme BM, tu es vraiment le vrai relève de la rumba africaine, je dirais. Merci, merci, merci. Au thème trop, continue ici. Dans 5 ans, si tu fais encore le stade des martyrs, j'ai même ma main à couper. Tu feras même 3 fois mieux qu'aujourd'hui. Ce que tu nous as fait, ce que tu nous as montré, tu nous as épaté. Tu as fait un truc de ouf. Tu as des œuvres. Héritier Tanabe, tu as des œuvres. Atlantico, que tu avais joué, je ne sais pas, 5-6 ans. 2 concerts. Jusqu'aujourd'hui. Ton concert de Fikin, c'est œuvre. Donc tu fais de bonnes choses. Aujourd'hui, stade des martyrs, quand les gens vont écouter les sons, c'est toujours, tu es toujours au-delà de nos attendements. Courage, Héritier Tanabe. On t'aime trop. Continue dans le même chemin. Le chemin de la gloire. Oh, Wata. Angaye, Moutoua Betty.